Je vais donner la parole à Pierre de la CCI pour même le mot de la fin, clore un peu tout ça et un petit peu vous libérer, vous oxygéner pour parler un petit peu des projections à venir de la CCI et de la World Cup, de ce que tu as envie. Dire à nouveau que j'étais très content évidemment de qu'on puisse accueillir ici cette manifestation et la finale océan indien de la World Cup. Moi, j'étais extrêmement impressionné par les quatre réalisations. Et j'aurais bien été embêté. Alors, de toute façon, je n'avais pas les compétences, mais j'aurais bien été embêté au jury. Mais je suis assez d'accord quand même avec les différents points. Les quatre réalisations sont quand même assez épatantes en 24 heures. Je crois qu'on peut vraiment. Et je crois qu'on doit tous penser ça. Donc, c'était vraiment intéressant. Donc, cet espace qui est dédié à l'innovation et à l'économie numérique, eh ben, il a été satisfait aujourd'hui par le niveau et d'innovation et le niveau donc en économie, enfin, sur les outils du numérique. Donc je pense qu'on est tout à fait satisfait. Donc évidemment, ce que je peux dire, c'est que on va continuer et que 2013 se termine et que 2014, on est sur les plans d'action, on est sur les budgets. Et que côté commission innovation et recherche, développement et économie numérique, on va maintenir, si possible, augmenter les budgets qu'on a pu consacrer et puis aller chercher avec nos partenaires, l'Europe, la région et puis les sponsors et puis l'association World Cup, de quoi continuer ça. Alors peut-être qu'une finale dans une autre île, hein, je pense que c'est quelque chose qui a été évoqué et donc on s'associera au niveau des financements pour réussir ça, avec, je l'espère, donc 6 équipes l'année prochaine. Hein. Donc c'est vrai que c'est le Forum économique des îles, on l'a dit, Fabien l'a dit hier, de novembre 2012, et donc l'initiative départ de CCI, donc il y a au moins 3 CCI qui sont représentées ici, qui avaient effectivement présenté aux îles voisines l'initiative World Cup Réunion. Je crois que la mayonnaise prend vraiment, et que c'est une manière... à travers de ces équipes web et dans un espace comme celui-là, et c'est vrai que dans un concept du coworking, de se connaître de plus en plus, de se faire confiance pour travailler ensemble, c'est vraiment une nouvelle opportunité qu'on a ici de faire des choses qu'on a envie de faire depuis des années. Parfois, il peut y avoir des réticences, des craintes, et c'est en se connaissant que la confiance vient et que le travail en commun pourra se faire. Donc merci à tous. Le mot de la fin, il est un peu long, pardon. Donc, à l'année prochaine. Et on enverra plein de photos à Zahela, parce que Zahela n'était pas là, on l'a dit, moi j'ai beaucoup dit, et on va lui montrer plein de photos, et si elle regrette, c'est bien de ne pas être là, elle sera satisfaite avec tout le succès de l'opération. Voilà. C'était le mot de la fin, donc on peut encore...